arriver. Oh, Pokémon. Tout peut arriver, même un nouveau stream de Moketo alors qu'il vient d'en finir un il y a même pas 20 minutes. Tout peut arriver. C'est génial, c'est fantastique, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Donc oui, donc du coup, bah me revoilà. Je suis sincèrement désolé, vous allez encore devoir supporter ma gueule. Pour un nouvel épisode de la grosse aventure. Donc normalement là, on va s'affronter la ligue incessamment sous peu. Et alors, faudrait que je me fasse Cisayoxi. Mais il me faudrait un centre Pokémon. Enfin, en fait, j'ai un peu la flemme de quitter cette route. Parce que vu que je suis pas à Johto, je peux pas encore me déplacer aisément. Enfin, si je repars à Johto, faudrait que je me retape le chemin. Et j'ai un peu la flemme encore à l'heure actuelle. Du coup, on va se taper encore. Be With You en mode comme ça pendant un petit moment. Et après, je verrai. Il est quelle heure? 15h jusqu'à 17h environ. Prends-toi le Draco Souffle. Ouais, du coup, Draco Souffle. Non, pas rayon signal. Oh oui, oh là là, je m'étire. Ouais non, alors Gol, c'est chaud à quel point le voyage est loin d'être fini. Hein. Si je me fais Kanto aussi. Hein. Tu as été créé sous mon modèle, sans les super pouvoirs. Très drôle, je te mets un C, maintenant c'est le temps des adieux. Ouais, Be With You, level 25, on est content. Oh, il va prendre Taillad. Contre. Ouais, fauchage, quoi. Je pense pas que... Enfin, c'est bien, fauchage, mais bon... Quand tu chasses, quoi. Très bien. Très bien, j'ai gagné. Un truc par là, je sais pas, je vais voir. Non, y a rien. C'est une feinte. Ah là, par contre, y a un truc. Et voilà. Ah, Rojuikun. Petit Dodio. Malheureusement, Dodio, tu ne m'intéresses guère. J'ai le nœud destin. Salut. Ne dis rien. Je vais lire dans tes pensées. Je sais. Tu veux te mesurer la ligue. Ah ouais. C'était dur à comprendre, à deviner. Les Pokémon de Kanto. Prochain but, ouais, c'est la ligue. D'abord, c'est la ligue. C'est la ligue et surtout trouver un putain d'endroit où me poser pour que je puisse aller au PC et faire mon Cisayox. Nanaf. Très bien. Oh non, pas les parasports. Ça vous parle que vous êtes. Les pires crapules qui existent au monde. Et voilà. Je suis quand même plus rapide que toi, bah putain. Le neuf doit être vraiment lent comme un sac. Hein. Ah ouais, il y a le moins argenté. Oh putain. S'il te plaît, s'il te plaît.
l'équipe, elle commence à être un peu KO là. On aurait besoin d'un peu de repos. Bon là je vais pas changer de Pokémon. Non, dans la gueule, ça va me faire du mal. Non, voilà. Tout. Et ma team elle est décimée là. Surtout que j'ai deux Pokémon inutiles dans le sens où j'ai un Léviator, je m'en sers pas. Et j'ai mon insécateur qui peut pas encore se battre. Merde, j'ai fait trop cher. Ouais, j'ai battu le Kenesest. Je le savais. Le mec, il savait qu'il allait perdre. Oh putain, mais il y a encore combien de combats? L'épuisement te guette. Oui, je confirme. Je commence à être épuisé. Oh, Caninos. Salut, Yo. Il est level combien, le Léviator? Il est level 25, non? Ouais, il doit être level... Attends. Oh non, il est level 30. Je vais mettre Léviator parce que, honnêtement, ma team... ne saura que faire. Les vieux d'or. Allez, je t'en supplie, tue-le. Ah. Oh merde, j'ai fait si fort. Normalement, ça le tue. Faut pas déconner. Ah, ça s'appelle Audrey. Oh putain. Vomir les chiennes, à toutes. Ouais non, c'est vrai que je l'ai pas renommé Léviator rouge. Je devais pas être aspiré, comme je l'entraîne pas. Starry. Non mais ma team là commence à être vraiment fatiguée. Surtout j'aime pas quand je l'ai pas, quand j'ai pas ma team complète. Il est là pour faire beau. Bah il est là surtout pour faire siphon, cascade et surf en fait. Enfin surtout cascade. Allez, je te donne mon numéro. Putain, j'ai failli m'étouffer. Et mais c'est encore loin, route 26. Attends, je vais regarder la carte. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est là, il y a le croisement. Pour le moins argenté. Coucou.
pense pas que j'ai encore la tête là, je sais pas. Winfish. Un sécateur, faudrait que je le fasse XP hors live. Dans platine. Quillfish. Putain, le mec il a que des Quillfish quoi. C'est Zayoxi. Il dit qu'il s'appelle Matteo, mais. Moi j'ai percé son secret. Putain, je crois qu'il y a personne dans la Denden. Un poisson roi. Voilà. Level 46. Ah, c'est cool, on se rapproche du level 50. Plaquage. Ouais, à la place de trancher, bon. C'est pas une attaque de ouf à apprendre le level 46, mais bon. Pourquoi pas, Anabi. T'es une belle fille. Prendre plaquage level 46, c'est chaud quand même. Tu l'apprends level 15 normalement. Un Ponyta. Faut pas déconner, Ponyta c'est un peu puissant quand même pour toi. Putain, mais je vais essayer de trouver le centre Pokémon rapidement. Ah, est-ce que c'est un truc pour se reposer ça? Merci beaucoup, madame. Ah ouais, non, faut pas déconner. Merci beaucoup. Parce que là, c'était plus possible. Y'a personne par là? Non, y'a juste lui. Voilà. Sinon je vais m'endormir. Mantali. Salut à toi Mantali. Comment vas-tu? Là par contre ça va baisser tous les sons comme d'habitude. Ah mes oreilles. Le vrai Gigi. Allô? Le vrai Gigi. Oui, qu'est-ce que c'est? T'avais la voix de... Qu'est-ce que c'est? J'appelle pour... Il a fini son live? Non, j'ai pas fini. Ah, donc t'es en live, là? Oui. Oh, quel honneur. On me prévient pas, moi je suis tout... Je rougis. Je vais pas avoir ça. Quel con, putain, quel con. T'affrontes qui, hein? Un dresseur lambda. Bah t'as la ligue, non? Je suis à la route victoire. Enfin, en face de la route victoire. Oh, la route victoire, ça va, elle est pas longue. Je dois avoir des problèmes, je me souviens de quasiment rien des anciennes versions à ce moment. Ah oui, oui, moi aussi, hein. Enfin, surtout Johto, mais je sais que la route victoire, normalement, si tu la fais normalement, elle dure un quart d'heure, donc à peu près. Contrairement aux autres où tu en chies pendant 45 minutes minimum. C'est chaud. Surtout dans Gold Soul Silver, en fait. Dans Or Argent Cristal, je m'en souviens pas de la route victoire, même si ça doit être la même.
Mais dans Hard Gold Soul Silver, la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé tellement court, mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est une grotte de merde, ça. C'est la cave jumelle, ça. Même la cave jumelle, t'as galéré plus longtemps, quoi. Salut, madame. Si tu es là, c'est que tu dois être un adversaire de valeur. Alors je ne retiendrai pas mes coups. Ouais. Y'a des dresseurs dans cette roue de victoire? Je croyais qu'il y avait que le rival. Non mais je suis pas encore dans la route, je suis en face, enfin y a... Ah oui! Ça c'est chiant. Et oui, ça dure longtemps. C'est un peu chiant là. Ouais. Et roue de victoire, tu la traces, y'a que là. Je crois en plus que c'est une ligne à moitié droite. Enfin genre, il doit y avoir deux ou trois virages. C'est triste. Oui. Et allez, ça me fait tonnerre. Que de faire. Prends ce one shot. Pikachu est lui-même. Pikachu. Grand gros Pokémon. Et mon épisode Dark Five qui a fini de télécharger. Donc la semaine prochaine, nouveau opening de One Piece. Ouais. C'est sûr pour cette fois. Bah oui, ils ont fait le tease là avec les chanteurs. Ah. Je serai là. C'est vrai qu'on a connu mieux dans les autres régions. En termes de route victoire, tu veux dire, je vais con. Largement, hein. Tortank. Attends, je vais sur le Twitch de la Moquette TV. Faut que ça charge. Ah mais j'aimerais surtout un lieu pour voler, pour pouvoir partir et aller me faire le Cisaiox. Comment ça? Mais j'ai pas envie de partir parce que j'ai peur de... Enfin je suis que de pas pouvoir revenir sauf si je me retape le chemin. Mmh. Oh Pifleur, putain, mais voilà, mais quand on a besoin de Krabos il est pas là. Il est mort, Krabos? Non, mais j'ai mis un Léviator à la place parce qu'il fallait cascade pour arriver là. Cascade, c'est physique? Je crois. Ah bon? Il me semble, oui. Si, cascade, c'est physique puisque tu mets un Léviator en strat. Donc si, bah il faut mettre cascade à Krabos. Ah, je savais pas, je crois que c'était SP. Bah je vais mettre casque à la Krabos. Je suis empoisonné. Ah bah il envoie Krabos en plus. Bah voilà. Ça fait des mind blow. J'habille. Au moment où tu dis ça, ton téléphone vibre. Ouais, c'est pas Jabir. Je pense que c'est une alerte. C'est pas Jabir. Mais putain, double abri, arrête-toi. Krabos, quel bon Pokémon quand même. Donc, quelle est la meilleure route victoire? Je pense que la question se pose. Moi, j'ai pas souvenir. C'est pas ON déjà, j'ai pas trop aimé ON. Moi ça va, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'elle est... Elle est pas ouf ici, mais elle est un peu chiante et tout. Celle de Sinnoh est pas trop mal, mais elle est très très longue. Ouais. Sauf si tu la connais bien. Si tu la connais bien, tu y passes une demi-heure. Mais sinon tu peux... la première fois que tu l'as fait, tu dois y passer presque une heure et demie, un truc comme ça.
Oh, peut-être pas quand même. La meilleure, c'est celle de Pokémon Dash. Il y a une ligue dans Pokémon Dash? Non, je crois pas. Je sais pas, j'ai jamais fait le jeu. Ne le fais jamais ce jeu. Ah bon? C'est horrible. C'est quoi Pokémon Dash? C'est le jeu où il y a Pikachu qui court sur la boîte, non? Oui. Mais il a l'air bien. Moi, j'ai des souvenirs d'ennui profond. Ah bon? C'est quoi en fait le principe du jeu? Mais faut que tu fasses des courses avec des montgolfières. Oh, c'est pété. C'était horrible, je sais plus. Des courses de montgolfières, ça doit être tellement long. Ah oui, t'as une meuf qui te soigne là. Ah oui, mais du coup, il n'y a pas de PC, donc pour prendre Kravos. Eh oui. Celle du Nice est bonne comme route victoire. Bah, Mehdi, oui, il trouve qu'elle est bien. Et personnellement... Je me souviens plus. Si tu sais, c'est celle où t'es sur une espèce de montagne et tout, avec à chaque fois il y a plein de corniches. Ah. Bah, c'est pas Sinnoh, ça? Non. Non, Sinnoh, c'est une route victoire ultra large, XXL et tout. Mais celle de la 5G, ouais, elle est pas... L'idée est bien, le fait que tu sois souvent en extérieur, mais les phases en intérieur sont très chiantes, de ce que je me souviens, donc... Celle de la 5G est pas terrible, je trouve. Mais d'où j'ai raté mon attaque, putain, et ça me vénère. C'est comme celle de la 6G, je crois qu'elle est un peu chiante, mais elle était pas mal. Celle de Haine dans Rosa, elle mérite d'être belle. Ah oui, putain, celle de Rosa. Ah ouais, dans Rosa, oui. Celle de Rosa, c'est magnifique sur 20. C'est beau, c'est magnifique. En même temps, c'est à 3G. Putain, le parasite qui spamme les Sword Dance. Le machin, il va te faire coupe, plus 6. Bam. Gros Pokémon. Aquali. On déconne pas, mais Parasect plus 6, si te fait des canons graines, il te reste toute tête, il est mort. Oh ouais, non, ça me fait peur, ça. La 6G, il y a des phases en extérieur et tout qui sont trop stylées. Genre, à un moment, tu dois éclater des murs et tout. Il y a des arbres, je crois. Je sais même plus s'il y a une cascade, je crois pas. Je me souviens plus du tout. Moi, je me souviens pas de la grotte de la 6G, mais je me souviens de l'extérieur. Ça m'avait un peu marqué. Et c'était vachement stylé. Non, pas ça, Aquali, quel Pokémon de merde. Mais laisse-le. J'aime pas Aquali. Ah, c'est pas Aquali, j'aime pas Aquali. Aquali et la famille à Floravol là, fuck. Floravol. Moi j'aime bien les flots. Ah, moi j'aime bien Kemors par contre. Kemors, gros main. Non, ce gros sac là. On parle bien. Bah si, c'est un vieux papy. Mais... C'est pas parce qu'il ressemble à karaté que tout de suite faut faire des allusions malsaines. Aquacouac. Karaté le qui est mort. J'espère que celle d'Alola sera bien s'il y en a une. Je sais plus, un fogleur karaté. Oh bon? Non, je sais pas. Ah, peut-être. Fogleur, elle est à Beden, hein. Bah ouais. Fogleur, elle est à Beden. Mais il a pas karaté, en plus il a pas la barbe comme Kemors, donc c'est vrai. Il a pas les dents non plus. J'espère que celle de Lola sera bien s'il y en a une. Bon, pourquoi il n'y en aurait pas, déjà? Sachant que ce n'est pas un speed-off. Parce que la ligue sera dans le ciel, voilà. Ah, comme Skyward Sword. Exactement. On va découvrir les Célestiens dans Alola. La première race humaine. Incroyable, mais vrai. Ça explique le 3 qui s'est concentré uniquement sur Pokémon et Zelda. La suite va vous surprendre. Non, pas le 3, la conférence Nintendo. Plus précisément. Oui, la ligue d'Alola,
Bah y'a moyen qu'elle soit pas mal hein. Moi je vois une porte, une grosse porte. Comme y'a moyen qu'elle soit naze hein. J'aime toutes les évolutions. Moi y'a que Aquali que j'aime pas. Ah oui, le dernier dresseur avant la fin. La route victoire, tu la commences maintenant, à 4h t'as fini. À ce point là. Ah oui, oui. Je te dis, elle est vraiment courte. T'as le rival à battre et je crois même pas que t'as l'autre dresseur. Salut petit panda, ça va et toi? Ah le Léviator Shiny. Ouais je l'ai chassé. Je pensais genre c'était un Léviator niveau 50. Ouais je l'ai chassé. Magikarp peut faire évoluer tout ça. Ouais je l'ai chassé. Elle pourrait être sous l'eau. Pourquoi sur... Ah ouais, tu veux dire par rapport à la map, tu vois pas trop où elle est. Mais il me semble qu'il y a un endroit, non, où on se doute de... Ah oui, non, c'est ça, c'est... Ah ouais, je sais plus. Mais il me semble que, ouais, c'est... Non, mais... on pense savoir où elle est sur la map. Ah bon? Je sais plus. Il y a un endroit qui est un peu chelou. Ouais, ça je le sais, il y a plein d'endroits qui font des interrogations, mais moi je me souviens que c'est un endroit qui ressemble grave à la tour Carillon de Oen, de Johto. On voit aussi la ville de départ par rapport aux habitations. Ah bon? Ouais, tu regardes le village de départ ça. Dans le trailer, tu reconnais très vite sur la map. Je l'ai pas vu, j'ai vu le village où il y a l'espèce de plage là, ça j'ai vu. Mais attends, quoique, bah vu que j'ai la map, je vais aller la voir. Où est-ce que je l'ai mise? Nulle part. Ouais, elle doit être là. La map d'Alola. Je sais même pas comment ça s'est appelé cette merde. La map d'Alola, où est-ce qu'elle est? Mais meurs, putain! Meurs putain. Pas très coopératif. Non, j'ai dû la mettre. J'ai pas dû la mettre là. Voilà. Au revoir madame. Karina. Les Pokémon sont dans nos esclaves. J'ai jamais dit ça, connasse. Connasse. Elle me dit les Pokémon sont pas des esclaves, mais je sais. J'aime bien parce que j'ai un dossier map de Pokémon, mais elle est pas dedans. Ah j'ai bien. Dû l'oublier. Du coup, est-ce qu'elle est? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez vu les points de nuages qui représenteraient Oho et Lumière? Ah oui, ça c'est une connerie, ça. Ah merde, non, là c'est mon argenté, ils veulent pas, c'est marrant. Les nuages qui représentent Oh et Lugia, sacré bullshit. Hein. Oh, ça me rappelle Pro, ça putain, la ligue là. J'ai peur. Pro. Parce que je m'entraînais beaucoup à l'entrée de la ligue. Mais où est-ce que je l'ai mis cette putain de map? Oh là là. Bon, alors, est-ce que je peux voler? Ah voilà. Putain, j'ai aucune idée d'où je l'ai mise. Dans mes téléchargements, elle doit y être. C'est sans doute une bête illusion. Ouais, on verra. On verra. Toi-même, tu le sais. C'est quand que la map elle est sortie déjà? Enfin, que le dernier trailer, il était sorti là avec avant le 3. C'était avant. Je sais plus. Non, je vais arriver à m'en souvenir, je pense. Non. Ça c'est Twitter. Ah oui. Ça c'est Discord.
Ah, mais je crois qu'il veut des trucs en échange, le gars qui fait évoluer, qui fait oublier les capacités. En général, oui. Ah non, celui qui fait oublier, non. Celui qui les réapprend, oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais j'aurais pu surf en fait, donc ça me fait chier. Bah, surf sur Crabos, ça c'est pas GG. Y'a pas quelqu'un d'autre qui va prendre surf dans la team? Bah non, je vais gagner évidemment pas. Mais en même temps, je préférais ouais apprendre cascade à Krabos, mais d'un autre côté, surf c'est quand même utile. Ah ça. Alors attendez, là je m'apprête à. Non mais ça c'est Pixie. Putain, où est-ce que je l'ai mise? Il y a moult musique. Alors. On va mettre sur un Rhinocorn. Tac. Tac. Ah, ça doit être ça. Ah non, c'est pas ça du tout. Ah, c'est ça, voilà. Alola Région Map Finale. Afficher le dossier. Ah, donc il était bien là. D'accord. Alors est-ce que je peux partir? Partir. Et donc là-dedans il y aurait. Où se trouve le village? Il doit être sur cette île là je pense. Ah, il peut pas prendre cascade Krabos. Ah bon? What the fuck? Ah putain, il peut pas prendre cascade. Bah t'es un crabe connard. C'est peut-être pour ça qu'on joue pas Strat, Krabos. S'il aurait cascade, il serait balèze. Putain, c'est un scandale. Le truc, c'est un crabe, il peut pas apprendre ça. J'arrive pas à voir le... Ah si, ça doit être là, la ville de départ, je pense. Vu la gueule que ça a. Ça, on dirait une espèce de petite clairière à côté d'une ville. Ouais, c'est les petits... Attends. Les petites maisons... Ça marche si tu fais, enfin si je fais un partage d'écran, ça te fait pas laguer si? Si je pense que ça me fera laguer. Merde. Je peux pas faire un screen? Ah mais si voilà.